Torah. C'est Rataran, mais... Dans ces deux parashiyot, on a tous les dinim de la Tzara'at. Toutes les formes de Tzara'at. Comment l'homme est devenu tamé. Les punitions qu'il a. Pourquoi la Tzara'at? On sait. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de parler de ça. On aurait pu parler de Matan Torah, on aurait pu parler de... Ah ben, à quoi ça sert Matan Torah? À quoi ça sert toutes les mitzvot et tout le limud Torah s'il y a encore une faute qui s'appelle la Shonara? Béhemet, je parle pour moi-même. Béhemet, je parle pour moi-même. La Shonara, c'est une des averot. Encore une fois, moi, je ne sais pas, chacun, il doit. Il y a des gens qui ont plus d'irat shalom que moi. C'est une avera, on la voit même pas, on la sent même pas, on la calcule même pas. Parfois, quand on vient nous parler et que j'ai pas envie de parler avec cette personne-là, ou j'ai pas envie d'entendre ce qu'il me dit, il commence à parler de l'un, de la shonara. Là, je me suis rappelé qu'il y a un iso qui s'appelle comme ça. Ou j'ai pas envie d'entendre du mal sur la personne. Et tu sais, celui-là, vous savez, il commence à parler du mal. Moi, je l'aime beaucoup, cette personne. J'en aura. Ah ben, quand ça me brûle d'entendre qu'est-ce qu'il a fait, celui-là, parce qu'il y a des comptes, pitom, même, il n'y a même pas un éveil de ce qu'on appelle le hisson de la Shonara. Pitom, je me permets de parler ou d'entendre des choses sur les uns, sur les autres. La Shonara, c'est une des averot les plus graves de la Torah. Les plus graves de la Torah. Il y a un livre entier, il y a le Chafetz Chaim, il a écrit un sefer entier, il y a des halachot, il y a des dinim, comme Hilchot Shabbat, comme Hilchot... Pas tout Hilchot Shabbat, en tout cas, comme quelques melachot de Shabbat, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Dans la Shonara aussi, il y a beaucoup de détails, il y a des halachot. C'est Shakul Kenegi. Les trois Averot Hamurot, Avodazaral, Gilo Ayariot, Shfichut Damim, Zarvera Hamura, la Shonara. Et une paracha entière, deux parachures, Tazria Metzora, qui viennent que à cause de cette Avera. Comme disent Chazal, Amar Rabbi Yossi, Ben Zimra, quand la Mesaper, la Shonara, Negaim, Baim, Alav, Sheneema, Meloshni, Baset, Re'eu, Oto Atzmi, Negaim, Baim, Alav, dit Chafetz Chaim, aujourd'hui on n'a pas. Ni Tazria, ni Metzora, on n'a que les parachutes. On n'a pas les dinim de la Tzara'at. Il y a une Tzara'at aujourd'hui. Tzara'at, je balève. Vous allez dire, Tzara'at traduit ça par la lèpre, ce n'est pas la traduction la vraie. Tzara'at, c'est une maladie qui n'existe pas aujourd'hui. La lèpre, ça existe. Tzara'at, c'est une maladie qui est nissite, il dit le Ramban. C'est une maladie qui est un S. Ce n'est pas une maladie qu'un médecin peut comprendre, analyser, on envoie faire des analyses au laboratoire, des choses pareilles, ils ne vont rien comprendre là-bas au laboratoire, qu'est-ce que c'est ça? Pire que Corona. Qu'est-ce que c'est ce virus? Qu'est-ce que c'est ce... C'est... Une fois c'est blanc, une fois c'est jaune, une fois c'est... Une fois c'est comme ça, une fois un poil blanc, une fois... Des choses, qu'est-ce que c'est cette maladie? C'est une maladie nissite. C'est un nez qu'on fait sur cet homme dans son corps pour le punir sur le Lashon Hara. Alors on n'a pas aujourd'hui ce nez-là de Lashon Hara, comme beaucoup de nissim qu'on n'a pas aujourd'hui, de Tzara'at, Aval, il dit Chafetz Chaim, la Tzara'at existe aujourd'hui comme à l'époque. Tzara'at chez Balev Barmina. Dans le cœur, il y a la Tzara'at. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de mauvaises choses. Alkol Panim, il dit aussi Chazal, Zot tiye Tzora'at ha-metzora, Mazet Tzora'at ha-metzora, Zot tiye Torato shel Motsi Shem Ra. C'est Torato shel Motsi Shem Ra. Ça va être sa Torah, ça veut dire l'enseignement de sa punition. Ou Otsi Shem Ra, Zot tiye Torato. Ma, Nega Tzara'at. À part ça, il y a aussi le fait qu'il doit sortir, en dehors des trois machanot, d'être expulsé, excommunié, jeté. Jeté des trois machanot, il habite seul maintenant, Badad Yeshev. Ça peut durer 14 jours. Tout seul.
En dehors du Machané, tout le monde voit qu'il sort. Aussi, il s'appelle Tamé Tamé. Gras, partout où il passe, on est obligé de dire sur lui, hey, c'est Tamé. Malé. C'est Nora Mayam. Tamé, Tamé. Ça peut être un rave. Ça peut être un avraire. Ça peut être quelqu'un d'important. Ça peut être le président de la synagogue, ça peut être. Il va Tamé. Tamé. Tamé, Tamé, vas-y, je peux même de là. Dis le rab, là je lis Sifte Chaim. Après une finale d'un absolu. Il dit ici qu'il y a encore une autre punition du Messater Lachandara qui peut être la pire de toutes les punitions. Il amène la chaîne du Chobot à l'Evavot. On le lit ensemble. Regarde, je suis un peu fatigué, alors j'ai du mal à préparer comme d'habitude. Alors je lis un peu beaucoup aujourd'hui. Heref, Ahi. Arrête, mon frère. C'est la traduction. Vahamol atzruyotecha. Aie pitié de tes mitzvot. De tes mérites. Aie pitié de tes mérites. Shelo tovad na mimcha velo targish. De peur que tu les perdes sans rien sentir. Perdre les mitzvot. Mitzvah de Torah, mitzvah de tfilot, mitzvah de tzitzit, mitzvah de chesed, mitzvah, mitzvah, mitzvah. On peut perdre. Kikvar ne'emar al-echad min chassidim, shezachru oto l'ra'a. Il amène une histoire. Il y avait un chassid, un tzaddik, qu'une fois, on a parlé de lui, quelque chose de mal. Il a entendu qu'on a dit sur lui, qu'il est comme ça, et comme ça, et comme ça, et que... Et Kevan, chez Guillaume Adavar, il a entendu ça. Il a envoyé à celui qui a parlé de lui un panier, on va dire. Malé Mizimrat Arzo, plein de bonnes choses de son pays. Des gâteaux, des chocolats, des macarons. Il a envoyé des bonnes choses. Tiens, cadeau. Pas un chassid, c'est l'homme pour piquer. S'il fait ça, c'est pas un chassid, c'est un rachat. Pas pour piquer, hein, t'as parlé de moi, tiens, je te donne un cadeau. Pas dans ce sens. Béhémet. Béhémet, merci, merci. Vekatav est là, il lui a écrit une lettre dans ce panier-là. Il dit, Ani, shalach tali minchatecha misruyotecha vegemalticha bazel. J'ai bien reçu le cadeau que tu m'as envoyé de tes sruyotes, et je veux te rendre là, pareil. Tu m'as envoyé un grand cadeau, merci beaucoup, je te rends. Comme ça, c'est quand je reçois quelque chose, j'envoie une fois. On m'envoie une bouteille de vin, j'envoie une bouteille de vin. Il a envoyé, il a reçu un grand panier plein de ses mitzvot à celui qui a parlé de lui. La mar hamen chassidim, arbe bene adam yavo leyom hashbon. Beaucoup d'hommes arriveront dans leur lame bas, le grand jour des comptes. Il y a un jour comme ça, oui. Et un jour comme ça, et un jour où on donnera des comptes. Il existe ce jour et tout le monde va y passer. Ou que chez Marim, la M, Marseille, il me tire où, Baim, Zruyot, chez leur assouta. On leur montre, voilà tes actions, des Zruyot, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Mais tu n'as pas fait ça. Il y a un gros leur assinot. Mais Omar, la M, quand je vous leur dira, Asa, Ota, ma chère, du Père Bachem, mais c'est Père Bachem, mais. Celui qui a parlé du mal de toi, c'est lui qui a fait ça. C'est passé chez toi. Vechen, keshe yahsar, mispar, zruyot, amesaprim, begnutam, yevakshu oto baretai. Veomar lahem, où sont mes zruyot? J'ai fait ça et ça et ça et ça. Où c'est? Je me rappelle. Tel jour j'ai fait ça, tel jour j'ai fait ça. Avdou mikem, be'et shidibartem beploni uploni. D'accord, mais il y avait aussi ce jour-là. T'as parlé d'un tel, c'est perdu. Ren Yeshmehem, Gan Kenshim, Tseou, Mispa, Chobotam, Shelo, Asou, pareil, ils verront qu'ils ont des Averot qu'ils n'ont pas fait. J'ai pas fait ça. On les a rajoutés pour les paroles que tu as dit sur un tel et un tel. Et ainsi de suite. Il y a un livre, Magid Mesharim. On a parlé de Magid Mesharim plusieurs fois. C'est l'ange qu'avait Rabbi Yosef Karo.
Shulchan Aruch, il avait un ange, il avait un magid qui venait, qui lui parlait, qui lui disait des chidushim et des enseignements, etc. Il a tout écrit dans le livre qui s'appelle Magid Mesharim. Là-bas, c'est écrit que l'ange lui a dit Ki mi she'omer lashon hara al chavero menakim lo mizchuyotav ou emet ve'yatziv. Sache que ce qu'on dit, c'est emet ve'yatziv, qu'on lui enlève ses mérites, etc. Si les gens savaient das, cette chose-là, ils seraient heureux quand ils entendent du mal. On a parlé du mal. Nous, on entend qu'on a parlé quelque chose de mal de nous. Combien ça blesse? Combien ça rend triste? Pourquoi sûrement on dit comme ça? Combien d'hommes Combien un homme il a peur pour son nom? Il craint de toujours avoir une bonne image. Quand on entend. Quand il entend qu'on a parlé de lui, quelque chose comme ça derrière son dos, combien ça fait du mal? Il dit, l'ange, pourquoi tu dois être très heureux? Si on a parlé du mal sur lui, des choses qu'il a, je ne sais pas s'il doit être très heureux. Il doit avouer que Bémet, il est comme on a raconté sur lui, et il doit faire tchouva. Ah ben, si on a raconté des choses sur lui qui ne sont pas des choses à raconter, il doit se réjouir. Qui il ou y avait l'homme maintenant qu'est-ce que ça comme si on lui a donné un cadeau d'or ou d'argent comme ça il doit se réjouir. Il dit le Rav, faut comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça. Pourquoi on prend mes scruyotes, on donne à l'autre ses mérites, je les prends, les Averot est pas sur moi, les Aver... pourquoi ça marche comme ça? Rik et Atzur t'as mis une parole là, Kadosh Baruch Hu il fait pas en Averven. Kadosh Baruch Hu, il fait tout en justice, tout comme il faut, chacun doit recevoir ce qu'il doit recevoir. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Et pourquoi que dans la Lashon Hara? Pas dans une autre Avera? Pourquoi pas dans la jalousie? Je suis jaloux de l'autre? Ah, t'es jaloux de l'autre? T'es mitzvah, t'as pas cela? Pourquoi il n'y a pas ça là-bas? T'es une kushia, Amir? T'as une tirout? Je pense. T'as une tirout? Ouais. Alors tu me le dis après, le chef. D'abord, je vais écouter le petit route qui dit le Rav. Et après, tu me dis quand tu penses. Ah, ça en a posé deux questions, d'accord? D'abord, pourquoi ça fonctionne comme ça? Sur la première couchée, c'est dans le petit route. Première couchée, c'est dur, cette couchée. Pourquoi? Quand on dit la chaîne d'arras sur l'autre, mais mitzvot, t'as pas sur l'autre. Mais c'est ça. Pour Alma. Qu'un homme, il reçoit une punition sur sa Avera, je comprends. Et qu'on se fasse un échange maintenant de mitzvot à Averot, Alma. Et pourquoi d'après la Shonara, c'est pas un tirot? Moi aussi. Maintenant, il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi le Shonara, c'est quoi le Dibour, de qui ça vient? Ça vient du Nahash, du serpent. Il y a un passage qui dit Amar Esh Lakish. Le serpent mort sans la hache, ça veut dire sans appétit. T'as dit? Très bien. C'est pas le sens simple du mot la hache, mais c'est ça la kavana. On va voir. Les autres animaux, ils mordent parce qu'ils veulent manger. Le serpent, il mord pour tuer. Parfois aussi, il mord pour manger. Mais pour manger, il n'a pas besoin de mordre. Il attrape, il avale, il a d'autres chemins. Mais quand il mord, il met le venin, c'est pour tuer. Pourquoi? Comme ça. Ve'en itron le bala lachon. Pareil, il n'y a aucun intérêt au bala lachon, à celui qui parle de la shonara, d'où le terme langue de vipère. Hein? Pasta. C'est le pasouk qui les compare. Le bala lachon avec le serpent, le pasouk. Eux, ils ne savent pas pourquoi on dit langue de vipère. Ils savent, il y a un pchat en goy. Pourquoi on dit langue de vipère? Je crois parce que. Il y a sur ça aussi un théorème. Non, c'est ça. Vas-y. Parce que la vipère, ils parlent beaucoup. L'oiseau, il fait tif, 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 tif. Il parle plus que la vipère, je crois. Hein. Et on l'entend plus, il n'arrête pas de parler. Hein. On dit langue d'oiseau aussi, c'est des pattes. Après, langue de vipère. Il y a un pchat, ici c'est écrit. On compare celui qui parle de la Shonara au serpent. Oui, on le compare. Dit la Gemara, l'artil lavo, kol ahayot mitkapso, tous les animaux se réunissent et viennent chez le serpent. Ils ont une couchia sur le serpent.
L'atid lavo, on fait din cheshbon, on veut tout expliquer. Mais on a une coucha sur toi, monsieur le serpent. Toutes les bêtes, viennent, toutes les bêtes. Viens voir le serpent, il dit, on a une coucha sur toi maintenant. Le lion, il est d'Ores, d'Orel. Le loup, d'Orel, d'Orel. Chacun a sa manière de dévorer sa proie. Ata, ma anaïeshnecha. Mais toi, quel intérêt tu as? Quel profit tu as? Non, tu mords. Qu'est-ce qu'il répond? Omer là, hein? Fechi maïtron le baranachon. Et quel profit, quel intérêt il a celui qui parle en shonara? C'est une bonne réponse? Non, il y a un intérêt. Là, ils ont de l'intérêt. Alors, déjà, vous demandez tous, et ça va être la question tout de suite qu'on va poser, c'est que ça a un intérêt, mais pas un intérêt, c'est la folie de shonara. Ça fait du bien. C'est un plaisir. Déjà ça va être la solution. Moi je te demande comme ça, Sam, ça c'est une parenthèse, c'est pas écrit ici. C'est quoi cette réponse? On t'a posé une question, réponds. Quoi, c'est un juif, il répond aussi par une autre question. Et lui, quel intérêt? Ça laisse aux juifs répondre comme ça. Toi pourquoi tu réponds comme ça? On te pose une question, Nahash, réponds. J'ai pensé expliquer que la question qu'on pose au serpent, hein, c'est une question sur le Metziout. Ah, c'est la tige de la voix, c'est à la fin des temps, ça, oui. C'est pas maintenant qu'on lui demande. À la fin des temps. À la fin des temps, il faut comprendre toute existence. Pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi ça. On veut comprendre la Metziout du serpent. Pourquoi il y a cette notion-là qui existe dans le monde, qui est le serpent qui mord pour tuer, sans intérêt. Et le serpent, il répond, cette Metziout existe parce que c'est l'homme qui l'a créé. Qui? Le Baal HaShonara. Et tout ce qu'il y a dans le monde existe par rapport à l'homme. Comme une fois, il y avait un Chacham qui est arrivé dans un endroit, il a dit à tous les gens du chouk, rangez vite votre marchandise, il va pleuvoir. Et le Chacham, il y avait des signes. Il savait par rapport aux signes, voir dans le ciel, quand est-ce qu'il y aura la pluie. Il est venu, il a dit, rangez tout, fermez le marché. Pourquoi? La pluie va tomber. Ils ont attendu, ils sont tous battus, ils ont coûté le rave. Ils sont tous rangés, tous. Pourquoi faire le marché, plier toute la marchandise? Vous avez vu le marché en France? À quelle heure ils viennent pour mettre leur stand? 5h du matin, ils arrivent, ils sont là jusqu'à qu'ils ouvrent, jusqu'à des trucs et les valises, et pour commencer avant 8h. Il faut tout plier maintenant avec la camionnette. Il faut tout ranger dans la camionnette, vous savez. Ils ont tout rangé, les camionnettes, tout. Ils attendent 1h, 2h, mais le soleil n'est pas possible. Il y a tout le monde dans la rue, il n'y a pas un vendeur. Je dis quoi, ce jour-là, on aurait pu faire le trip. Makara, et où allait la pluie? Ils sont venus voir le rap. Tu nous racontes des histoires? Il dit non, pas du tout. Il devait pleuvoir. Alors, Kanire, dans votre ville, vous êtes des menteurs. Et quand vous êtes des menteurs, votre climat aussi y ment. Comme ça, il leur a dit. Ah ben, c'est sûr qu'il devait pleuvoir. Pourquoi? Parce que ces signes-là, c'est des signes de pluie. Pourquoi il y a eu ce signe-là? Parce que c'est un menteur. Le ciel aussi, il ment ici chez vous. Il fait des signes et il nous a roulé. C'est moi de là. Que la manière d'agir de l'homme, elle a un impact direct sur la nature. La nature agit comme l'homme. Les coqs, ils doivent faire coucou-rico à quelle heure? Quelle est la guerre? C'est écrit dans la Mishnah. Ils doivent faire un petit peu avant l'otachar. Ça, c'est l'heure du coq. D'accord? Aujourd'hui. Toute la journée écrit. Le jour, la nuit, le zé. Ah, il y a des mufarshim qui disent que c'est pas comme on a que ça et jamais. Là-bas, oui. En plein milieu de la nuit, après. Quoi qu'il fait. Enfin, il y en avait un, il avait. Le voisin, il avait des coqs. Il venait à sa fenêtre, le coq, comme ça. Il écrit toute la journée, tout le matin. Dans sa tête. Il est devenu fou. Si demain il vient, Il arrive le coq le lendemain matin, il vient, il attrape comme ça la petite vélo. Et le voisin, il arrive. Qu'est-ce que tu fais? Mon coq. Il dit non, je règle le réveil qui sonne à une autre heure. Lama, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il sonne plus à l'heure. Lama, c'est comme ça. Comme ça, c'est des. Ben, les moussins, j'ai entendu dire ça. C'est pas moi qui invente. Ben, vous avez dit, puisque aujourd'hui l'homme il ment, toute la nature applique cette morale-là. Toute la nature ment. Il n'y a plus de règles de la nature. Toutes les réfouades qui est écrit dans le Rambam,
toutes les fautes qui écrit dans la Gemara, elles sont plus d'actualité. Comme ça, il dit Rav Kanievski. Plus d'actualité. Pourquoi ? Parce que tout a changé. Et pourquoi tout a changé ? Parce que nous, on a changé. Nous, on a changé nos actions avec Hachem. Alors, le monde entier s'est transformé. Top. Où on en était ? La question, pourquoi il a répondu ça ? Pourquoi il a répondu et l'homme mourra ? Ah, c'est pour ça que le serpent, il répond. Pourquoi cette métioute existe dans le monde ? Parce que chez l'homme, cette métioute existe. L'homme, il parle sans aucun intérêt. Et les autres animaux ? Alors, pourquoi on n'a pas changé aussi la nature des autres animaux, là ? Parce que le Nahash, c'est lui le premier qui a parlé de Lashon Hara. C'est le Nahash. Le premier sur Terre qui a parlé de Lashon Hara, c'est le serpent. Quand il est venu voir Adam et Hava, et il leur a dit, comme ça dit le Midrash, « Caché Lashon Hara, Shevi Mita, l'Adam Arishon, combien c'est dur le Lashon Hara, ça naît la mort sur Adam Arishon. » Lashon Hara, encore une fois, je répète, c'est une avéra grave. Ça a amené la mort sur l'humanité. On voit ça. שעמד הנחש ומעל האדם וחווה כי יודע אלוקים כי יום יום הולכים ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלוקים. הקדוש ברוך הוא יעשה, le jour vous allez manger du fruit, vous allez devenir חכמים, vous serez comme Dieu. Pourquoi? Car lui, c'est ce qu'il dit le serpent, il a mangé de cet arbre quand il a créé le monde, et tout artisan haït, déteste son concurrent. Et donc, il ne veut pas que vous aussi, vous créez des mondes. Il y a une explication à ça aussi. Ici, le Rav explique que si vous mangez Etzadat, alors ça va agrandir vos capacités de Yetzeratov. Vous allez faire plus de mitzvot. Et en faisant plus de mitzvot, vous construisez plus de mondes. Et vous vous comparez en ça à Hachem. Et ça, il ne veut pas. Comme ça, il leur a dit. C'est vrai ça ? C'est la Shon Hara. Il a parlé de la Shonara sur Borei Olam. Ah, c'est lui le premier qui a parlé de la Shonara. C'est la maout du Nahash. Et là, il y a votre question. Et moi, la mienne aussi. Et personne ne comprend rien à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui parle de la Shonara, il n'a pas d'intérêt ? Yeshana Agdola, ici, dit le Rav. Il dit un enfant, dès qu'il commence à marcher et parler, il parle de la Shonara. Tout de suite. Il va chez son père et sa mère, il m'a fait ça, il m'a pris ça. C'est la Shonara, ça. C'est la Shonara, tu peux pas l'expliquer, il a 3 ans. C'est la Shonara. Venir dire il m'a fait ça, c'est la Shonara. Depuis tout petit, on parle de la Shonara. Et en vérité, il n'y a aucune différence entre un petit et un grand. C'est juste que le petit, il n'a pas honte de montrer ses faiblesses. Mais si nous aussi on était comme les enfants, on n'aurait pas honte de on a toute la journée. Ah, tu sais, il m'a fait ça. Et l'autre, il m'a regardé comme ça. Et l'autre, il m'a fait ci. C'est juste parce que ça se fait pas. Attends, t'es un enfant. T'es un bébé ou quoi? Puis tu m'as regardé comme ci. Ouais, tu vas raconter à tout le monde. T'es pas un bébé. Alors, on a honte. On a honte de montrer nos faiblesses. Parce que c'est une faiblesse de réagir de cette façon. Avec le BMET, si ce n'était le cavote personnel qu'on avait, on parlait de l'enchaînement toute la journée. On rencontrait sur les autres toute la journée. Et pourquoi Béhémet, un homme, il a tellement une tava grande de parler de la Lashon Hara. Pourquoi on a envie de parler de la Lashon Hara? Pourquoi on parle du Lashon Hara? Pourquoi on aime écouter du Lashon Hara quand on nous parle des uns et des autres? Surtout quand ça nous intéresse. Parfois ça ne nous intéresse pas, mais quand ça nous intéresse, on aime écouter. Ah, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? On a honte de dire dis-moi plus, et on n'ose pas dire la Lashon Hara parce qu'on a envie d'écouter. Alors on est très très content, tout va très bien. Pourquoi c'est comme ça? Béhémet, il faut savoir que on est constamment en train de mesurer nos qualités et nos défauts. Toujours, inconscient et conscient. Un homme qui réfléchit, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts? Qu'est-ce qu'il faut que j'arrange, qu'est-ce qu'il faut que j'arrange pas? Par rapport à quel référentiel? Il y a ce qu'on avait appris à l'école, les étalons.
Hein? Valeur à talent. Valeur à talent? Étalon. Étalon! Il y a le maître. Oui, il y a un endroit dans le monde où il y a le maître. Il y a, comme ça, je me rappelle. Le kilo. Mais comment tu sais quoi un kilo? Tu dis, bah, je me suis sur la balance. Et comment on a fait que la balance, elle sait c'est quoi un kilo? Bon, on l'a mis sur une autre balance. Hein. Comment tu sais c'est quoi un kilo? Un kilo, c'est de la matière. C'est un volume. C'est combien? Si t'as pas de balance, comment tu fais? Et la balance elle-même, on l'a réglée selon quoi? Oui, tu remontes. Comment tu sais c'est quoi un kilo? Alors, il y a un musée quelque part, ou un truc quelque part, ou un coffre, où il y a l'étalon. Étalon, c'est le kilo. Toute l'humanité a décidé, pas l'humanité parce qu'il y a des endroits où c'est d'autres poids, d'autres mesures, les pays où c'est le kilo l'unité, on a décidé, ça c'est un kilo. Et tout est basé par rapport à ça. Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins, c'est ce qu'on a décidé, c'est un kilo. Il n'y a pas écrit dans la Torah un kilo, oui, que tu dis ça c'est le kilo. Non, le kilo c'est l'homme qui l'a inventé. Le maître. Combien c'est un mètre? Tu sais combien c'est un mètre? Tu prends une règle. Non, mais celui qui a fait les traits sur la règle, il a décidé que tant de petits traits comme ça, c'est un mètre. D'où il sait? D'où il a décidé? Il a pris une autre règle. Bon, il a pris une autre règle. Et la main, il y a un étalon. On a décidé tous ensemble qu'il y a un mètre. Voilà, c'est la règle. Elle est dans une vitrine, en or, dans un coffre. C'est le mètre. Le mètre. Le maître du monde. C'est le maître. Donc tout doit avoir une référence. Quand je vais décider, est-ce que je suis bien ou je suis pas bien? Par rapport à quoi le monde se réfère? Par rapport au regard de l'autre. Pas par rapport à d'autres références qui sont la Torah, qui sont moi-même. Non! Par rapport à l'autre. Comment il me regarde? Je vais me placer dans ses lunettes, dans ses yeux. Comment lui me regarde, et comment lui me regarde, comment lui me regarde, comment lui me regarde. Selon le regard de tous, je vais faire des calculs, je vais faire des analyses, plus ou moins ce que je suis capable, pas capable. Je vais renoncer parfois à certains groupes de personnes parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, donc eux, c'est des nuls. Parce que par rapport à eux, je ne peux pas être bon. Eux, c'est le top. Parce que par rapport à eux, je vois que j'arrive à plaire. Et eux, comme ça, on catalogue. Ouais, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça, celui-là est comme ça. Voilà. Mais en vérité, celui-là, il n'est pas comme ça. Et celui-là, il n'est pas comme ça. Et celui-là, il n'est pas comme ça. Et toi non plus, tu n'es pas comme ça. C'est juste parce que tu vis dans un monde que tu t'es construit tout seul et que tu crois que tes valeurs dépendent de la note qu'on va te donner. Alors, selon ça, tu vas faire des efforts pour être comme ci ou comme ça. C'est un monde réel ou c'est un monde imaginaire? C'est un monde totalement imaginaire. C'est n'importe quoi. Et sur ça, il y a Messila Tisharim. Shema Amar Omer Messila Tisharim. Écoute. Klalo shel davar. Hakavod hu hadohek et lev ha'adam yoter mikol hatshukot vehamdot sheba'olam. Qu'est-ce qui pousse l'homme à agir, à faire, à avoir, à gagner, à manger, à... Le kavod. Le kavod, c'est par rapport aux autres. Vélo lézé, si ce n'était le kavod. Gvaraya adam, mitratzele, chol machinoukhan. Un homme mangerait ce qu'il y a à manger. S'habillerait avec toute chose qui peut couvrir son corps. Manaf kamina. Quelle couleur, quelle forme, quelle marque, hein, je ne parle même pas. Si ce n'était le kavod. Maison, c'est quoi une maison? Une maison, c'est un endroit où il y a des murs qui me protègent du vent, du froid, des animaux. Ça, c'est une maison. Une maison, c'est pas 15 chambres et une piscine. Une maison, c'est pour se protéger. Donc, il serait protégé avec ce qu'il protège. Une cabane, ça aurait suffi aussi. Ça fait l'affaire. Parnassato kalar alav. La Parnassa, combien elle a besoin? De toute façon, il mange rien. Il s'habille avec rien. La maison, il a construit une cabane. Il faut travailler, pourquoi? Bon, c'est même pas la peine. Ah si, oui, minimum.
פרנסתו כלל, ולא היה צריך להתייגע לאשר כלל. ודאי, זה פשוט, כי זה חייפה אפורסה, אדווני ריש. אלא פעם זון דווני ריש, אלא פעם פורקות דווני ריש. אלא שבלבינתי ראות עצמו שפל ופחמוז מרעב, seulement pour ne pas se voir plus bas que ses amis, Machnis Atzmo Beovia Korazot, il rentre dans cette labeur, Ve'en Ketz Lechon Amalo. Il n'y a pas de limite à son labeur, à son travail, il devient un esclave. Pourquoi ? Par rapport au regard des autres. C'est pas chouette. Pas chouette. C'est pas la gava du coup. Hein ? Ah ouais, c'est pas de la gava du coup, c'est... Gava, le regard de l'autre, la gava, le regard de l'autre aussi, la gava, bien sûr. Pourquoi j'ai besoin de m'habiller avec une marque? Pourquoi on a besoin de mettre une marque? Oui, on a parlé de ça plusieurs fois. Une marque, la mode. C'est quoi la mode? Chez les enfants, on a ça. Et c'est quoi ces chaussures? Pourquoi tu mets des chaussures comme ça? Ils disent, c'est olé chayou. Olé chayou, ça veut dire, je sais pas comment dire, ouais, ça... Aujourd'hui, ça marche. Aujourd'hui, ça marche. Hein, c'est la mode. Tu réponds à ma question, question. Pourquoi une forme comme ça? Pourquoi une forme comme ça? Et ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a quelque chose de logique là-dedans. La mode. Mode, c'est les lettres Edom. Edom, c'est mode. Edom, c'est Yassav. Adom, Adom, c'est le rouge, 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 rouge. Là, c'est l'extérieur. Ça, c'est la mode. Il y a une logique. Il y a une logique à une marque. Aucune logique à une marque. Une marque n'a de sens que si quelqu'un y regarde la marque. On est d'accord, oui. Sinon, si personne ne va voir la marque, il n'y a pas de sens. Les Israéliens, ils laissent ici comme le savent. Et puis voilà, quelle marque? C'est le costume. C'est, sinon, c'est là à quoi ça sert. Bon, parfois, on fait des gestes quand on est derrière. Je ne sais pas comment il fait. Ça n'a pas de sens. Si tu ne sais pas que c'est un. Versace. Hein? Versace. Ah, Versace, je connais bien ça. Versace. C'est bouton, machin, de l'air. Si tu sais pas quoi ça sert. Ah, tout le monde sait, parce qu'on voit, c'est, tout le monde sait. Alors il va avec ça, il est comme un fou. Alors, si ce n'était le regard des autres, il n'y a aucun sens à ça. Il n'y a aucun zvara dans ces choses-là, c'est pas chou. Ne me dis pas qualité, parce que c'est du bluff. Une fois, il y en a, il me dit Prada. Les chaussures Prada. Hein. Il me prenait, bah, pour aller à un cours en France, on me prenait en voiture. Hein. Il me parlait Prada, Prada. Ils étaient deux dans la voiture, et moi avec eux. Il m'a dit, il a acheté. Une semaine après, la semaine s'est décollée. Comme les chaussures que tu achètes là, tout au Kenya, à 50 shekels. Une semaine après, Prada, ils vont au magasin. Service clientèle, Prada, service clientèle. Ils lui prennent la chaussure devant lui. Il tire la semelle, il prend de la colle forte, comme ça. Il tient comme ça, avec un chiffon en or, évidemment. Voilà, monsieur, ça devrait être bon. Ah, t'as de son régalaille. Ah, ils rigolent entre eux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est pas chou. Ne me dis pas qualité, s'il te plaît. Azma, l'homme, il travaille, et il peine, et il fait tout ça par rapport au regard de l'autre. D'accord ? Ça, c'est le pshat du Lashon Hara. Celui qui va parler Lashon Hara, celui qui va chercher à rabaisser l'autre, ou... à s'élever sur le compte de l'autre, c'est quelqu'un qui cherche à se valoriser. Se valoriser par rapport au regard de l'autre, c'est du shekel, c'est du mensonge. Il vit dans un monde de dimyon. Il vit dans un monde de dimyon, c'est pas shayar. La Torah a dit Ve'ahavta le'ra'acha kamocha. C'est kashur à Sfirat Ha'Om. Ve'ahavta le'ra'acha kamocha. Il dit le Ramban, j'oublie le Lashon. C'est pas trop long pour vous. Hein? Continue. Rachou de comprendre ma zébé aftal et rachakamot. Vimiye o avo bechol yahpot si iskere ou aouf de rocher menachasim. Si un homme il arrive, il parle beaucoup avant, mais je vous épargne ce passage. Il dit le Ramban, si un homme il arrive à un niveau où il souhaite à l'autre aussi qu'il soit chacham, qu'il soit riche, qu'il soit bon, qu'il réussisse, etc. Mais pas qu'il soit comme moi. Pas une. Il a déjà un niveau où il veut le bien de l'autre, mais un peu en dessous de moi.
Aval yeh hafetz belibo leolam shehu yoter mimeno bechol tova. Aval dans son cœur, un homme il veut toujours être le meilleur, être mieux que l'autre. On parle même en chokhma, Rabotai. Même en chokhma Torah. Oui. La fille le chasse, et l'autre aussi, maintenant il va finir aussi le chasse. Il ne faut pas qu'il finisse comme moi. En moins de temps, en moins de. D'une manière meilleure. Oh. Qu'il finisse, Vadaï, tout le monde. Vaï, pas comme moi. Moi, je dois être mieux. Veitzavé Akatouf. Et Akadosh Baruch Hu, il est Metzavé. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça qu'il faut attendre. Cette petite vengeance, pas vengeance, qui a jalousie, ne soit pas dans son cœur. Aval yehav birbot atova lachavero kaasher adam osel nafsho. Un homme doit aimer comme il l'aime lui-même, comme il fait lui-même. Velo iten shi'orin be'ahava. Qui n'aime pas de mesure, pas de limite à l'amour. Un homme y croit. Que si jamais l'homme est comme l'autre est comme lui, il perd quelque chose. Zélan Nachon. La bataille, je saute. Ouf. Pour arriver à la fin. Deuxième réponse, deuxième question. Et arriver à la réponse à la deuxième question, et plus encore. C'est clair que celui qui raconte la Shonara, il a peur que si jamais l'autre est mieux que lui, il perd. On lui prend quelque chose. Il va s'efforcer à toujours faire en sorte d'être le meilleur. Il y a deux manières de le faire. Ou de montrer comment moi je suis le meilleur, et l'autre moins. Ou de montrer comment l'autre est mauvais. Automatiquement, je suis mieux. C'est deux formules de la Shonara. Tout ça, c'est un monde divin. Parce qu'on va voir par la suite que le Emet et que chacun n'a pas de valeur dans ce qu'il vaut lui-même. Ça va être la fin. N'a pas de valeur. Chaque juif, il vaut des milliards, il vaut plus que des milliards, il vaut tout. Bishvili Nivra Olam, il vaut toute la terre. Toute la terre valait le coup d'être créée pour lui, pour un. Ça, c'est les talents. Les talents, c'est la référence. La référence, c'est moi-même. Et si je ne sais pas moi-même, qu'est-ce que je dois être moi-même, alors lis, Rabbi. C'est écrit ce que tu dois être. C'est écrit dans la Torah. Les midot, elles sont écrites. Le kaas, la jalousie, la colère, la hanava. Tu sais pas combien ? Il y a un livre sur ça, il y a un livre sur ça, il y a un livre sur ça, il y a un livre sur ça. Ça, c'est la référence. C'est ce que Kadosh Baruch Hu demande. Ça, c'est le talent universel. En chole kalze. Aval, croire que la référence, c'est le regard de l'autre, c'est du shekel. Alors, qu'est-ce que tu as voulu faire ? L'homme, il a voulu se grandir sur le compte de l'autre. Il veut rabaisser l'autre et lui se grandir. Ou à l'inverse. Il veut se grandir lui-même en se comparant à l'autre sans forcément le rabaisser l'autre. Alors, Mida Keneged Mida, on lui fait exactement l'inverse. Dans l'Olam Haba, qui est l'homme grand ? Celui qui a des zrouyotes. Qui est l'homme petit? Celui qui a des avérotes. L'homme dans le Olam Hazé, il a voulu se grandir par rapport à l'autre, dans du shekel. Dans le Olam Haba, on va faire l'inverse. Celui qui l'a rabaissé pour se grandir à lui, on va le faire grandir à lui en le rabaissant à l'autre. Comment ça marche? Mitzvot, avérot. Parce que là-bas, dans le Olam Haba, il y a que ça qui compte. Il n'y a que dans la Lashon Hara qu'il y a ce concept. Parce qu'il n'y a que dans la Lashon Hara qu'on utilise cette Avera-là pour se grandir et pour rabaisser. Dans le Olam Haba, où tout est mesuré par mitzvot et averot, alors ce sera l'inverse. Lui, on va lui prendre ses mitzvot et on va lui donner la averot de l'autre pour avoir exactement l'effet inverse de ce qu'il a voulu faire. Zemida Kenegemida. Béhémet, il faut se sauver de ça. Il faut se sauver du Lashon Hara. Du coup, on ne peut pas dire de Lashon Hara non plus sur un rachat.
Sur personne, on peut pas agir dans la halakha. Ce qu'il y a dans la halakha, ce qu'il y a dans la halakha. Après, là, on ne rentre pas dans le côté halakha. Il faut bien étudier ce sujet-là. En tout cas, tant qu'on ne sait pas, il ne faut pas parler. Ravetz Rahim dit de toute façon, même après qu'il a tout expliqué ce qui est moutard, ce qui est assourd, il dit Ravetz Rahim que la meilleure mida, c'est de ne jamais parler de personne. Personne. Nous, aujourd'hui, on ne sait pas très bien la halakha de la Shabbat. Il y a un livre entier, et en plus, il n'est pas facile. Il est dur, le livre de Ravetz Rahim. Aujourd'hui, ils ont fait plein d'adaptations. Hein, on dit comme ça. Ils ont fait avec des histoires, ils ont fait ça, ils ont fait pour les enfants, ils ont fait... Le livre original du Ravetz Rahim, il est dur à étudier. C'est de la rote, avec des sources en bas, avec des... On n'a pas fait. On connaît pas tout. Un petit peu, mais pas tout. Toutes les règles, appeler Tlata, pas appeler Tlata, ça a été dit en public, ça n'a pas été dit en public, est-ce qu'il est vite comme... S'il est seul avec lui, il n'est pas seul avec lui. Plein de détails, on ne sait pas. Nous, et même après qu'on s'est dit Ravetz Rahim, il faut s'habituer à ne parler de personne. On vient nous parler de quelqu'un, mais là, je suis pressé, j'ai le bus. Je suis pressé, j'ai un chiot, mais je ne veux pas écouter. Je ne veux pas parler de personne. Ah ben, ça ne pourra pas se faire si on n'arrive pas à la racine, qu'elle soit bonne. Pourquoi on aime le lashon hara? Parce qu'on vit dans ce monde de Dimion. Parce qu'on n'a pas d'estime qu'il faut à son prochain. Et là, on termine avec ce qui est écrit ici. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Sinat Rinam. Pourquoi ça s'appelle Sinat Rinam? La haine gratuite. C'est pas gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Il est venu, il m'a fait ça, il a parlé, c'est gratuit. La haine, parce que là, il mérite ma haine. Moi, c'est gratuit. Ah, putain. C'est gratuit parce que la haine, surtout dans la Shonara, elle sert à rien. Tu cherches à te grandir par la haine de l'autre, tu pourras pas. C'est faux. C'est le mauvais étalon, c'est une mauvaise référence. Tu ne peux pas te grandir par rapport au regard de l'autre. Donc ta haine, elle n'a aucun sens. C'est Sinat Rinam. On grandit en pardonnant. Non. On grandit en pardonnant. Ah, ça c'est une grande mahala. Ça c'est ce qui demande Hachem. Pourquoi? Maintenant on peut grandir en comprenant qui c'est l'autre. Il dit le Rav ici. On termine avec ça. Sur le issur de l'otikom. D'accord? On a un issur de Horaïta. Là, qui s'appelle la vengeance, l'oticom. L'oticom, le l'otitor, c'est dans le cœur. Il dit, Yerushalmi, il y avait quelqu'un qui coupait de la viande avec un couteau. Et en coupant la viande, il s'est blessé la main. Il s'est blessé la main. La main, elle s'est faite blesser par le couteau qui est tenu par cette main-là. Est-ce que cette main-là, elle va se fâcher, elle va lui rendre à la main? Elle va prendre le couteau maintenant. Elle est coupée tous les doigts, vas-y. Aïtachel. Comme ça, il dit Yerushalmi, sur le lave de l'anticom, le lave de la vengeance. Hein? C'est une belle histoire, c'est un beau machin. Comment tu peux te venger d'une main à l'autre? Top, quel rapport? Moi j'ai compris, d'une main à l'autre, ça c'est ma main. Oui. Non, lui il m'a fait ça, quel rapport, c'est pas ma main. Il va voir c'est quoi ma main. Mazakajo. Il dit Yerushalmi, tellement évident que tout Am Israël, Knesset Israël, c'est un corps. Il dit au Rabbi ici, on est des associés dans une affaire. Des associés dans une affaire. Deux associés. Associés 50-50. L'autre associé, il vient, il a fait un contrat. Moi, j'ai pas fait. Il a fait encore un autre. Et encore un autre. Et il a réussi. Hé, qu'est-ce qui se passe? Il va s'énerver sur lui. C'est ma boule. 50-50. Qu'il fasse encore 1000 qu'il fasse. Et moi aussi. On est associés. C'est pas, ça monte pas à l'esprit. D'être jaloux, de se venger, ou quoi que ce soit qui ressemble à ça, de quelqu'un qui me donne 50%. Zé Knesset Israël. Chacun il vient avec son tafkid ici en Israël. Ben, chacun il a sa valeur. Et moi, ma valeur, elle n'est pas rotsette avec la valeur de l'autre. C'est pas une pratique ça. Elle complète. Chacun complète l'autre.
Lui, il est Chacham Gadol, lui, il est Chacham Katan. Lui, il a des qualités que l'autre n'a pas. Et lui, il a des qualités que l'autre n'a pas. Ah, je veux ses qualités. Mais t'es bête. T'es bête. Parce que toi, t'es venu avec ce mode de Neshama qui va compléter ça. Et lui, il est venu avec ça qui va compléter ça. Et chacun est venu avec l'importance la plus grande qu'il peut avoir au monde. On est tous des associés ici. Le Yerushalmi, il comprend que c'est tellement évident qu'il n'y a pas lieu à la vengeance qu'il compare l'autre à demain. C'est pas possible. Et c'est pour ça que même dans la pensée, c'est assourd. Parce que l'autre, il tord, ça, il est sourd dans la pensée. C'est la rancune. La rancune, ça, il est sourd dans le right. La rancune, c'est contrôlable, la rancune. Je me venge pas. Dis merci. Je me venge pas. Enfin, dans mon cœur, j'ai pas le droit d'avoir un petit truc. Je vais l'inviter au mariage. Je vais aller à son mariage aussi. Même s'il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il n'est pas venu au mien, il n'a pas donné d'enveloppe. J'ai donné une enveloppe là aussi. Quand je vais donner l'enveloppe, je vais la donner. Même sans, dans le cœur, même sans grimace, dans le cœur, ça a soin. Comment c'est possible? Comment c'est possible d'après ce qu'on va dire? D'après ce qu'on va dire, tu peux te venger d'une autre main? C'est ta main! C'est ton corps! C'est notre corps. En Israël, c'est la même chose. On est tous la même chose. On est tous ensemble, on est Knesset Israël, qui Shechad Beled Ratzet. D'ailleurs, une des conditions de Kabbalat Torah, comme ça dit au Rachaim Kadosh, une des conditions de Matan Torah, c'est que Shechad Beled Ratzet. Sans ça, on n'a même pas accès. On n'a même pas accès à Arsinaï. Il dit le Midrash, maintenant je vois, comme ça dit le Midrash, maintenant je vois Yachem, qui sont tous réunis ensemble, Zazman la tête lève. Quand il a vu à Kadosh Baruch Hu, on est tous unis, il a dit c'est maintenant le moment de donner la Torah. Sans ça, il n'y a pas de matin de Torah. On va faire Shavuot toute la veillée, toute la nuit, on va étudier matin de Torah, on va faire des drachot, des sirot, on va faire des sirot. Torah, Torah, matin de Torah, vas-y. Alors, qu'on n'oublie pas, que j'oublie pas moi-même cette introduction qu'on est en train de dire. Tout ça, ça ne sert à rien. Si jamais, dans notre cœur, on n'aime pas son prochain. Si jamais dans notre cœur on supporte pas son prochain, on comprend pas que son prochain c'est moi. Ah, il m'a fait ça, il est venu maintenant. Comme la main qui est venue, qui a coupé l'autre main, c'est pareil. Ça arrive. Et puis il y a des rechbonotes. Refet Sraim dit c'est à cause de ta révérente. S'il est venu, c'est à cause de qu'il a pris qu'il a fait faire ça contre toi pour que tu fasses tchouba. Pour que tu payes ta révérente. Comment tu vas frapper? Exactement comme la main qui a coupé l'autre main. Elle a coupé le doigt parce que cette main-là, elle mérite d'être punie. Alors on a utilisé cette main-là. Tu peux pas te mettre en colère avec elle. C'est le rien. Si on arrive à cette compréhension des choses, c'est pas chahir de parler de ce moment-là. C'est pas chahir de se mettre en valeur par rapport au regard de l'autre. Je peux pas être en valeur par rapport au regard de mon associé. Je peux faire une concurrence avec mon associé, mais il est fou celui-là. Il est en concurrence avec son associé. T'as compris? Où il habite? En concurrence avec son associé. Il n'a rien compris. Il est complètement fou. Tu vas faire couler toute l'affaire. Non, je vais lui faire entrer. Ah, il m'a fait comme ça. Ah, t'es en train de couler le bateau. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on fait toute la journée. Ah, celui-là, ouais, celui-là, c'est comme ça. Ah, tu sais ce qu'il a dit? Ouais, tu sais ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu es en train de faire? T'es en train de le détruire. Tu fais couler le bateau. C'est ton associé. Ce qui fait des mitzvot, ce qui fait des... Ça, tu gagnes, on est à 50-50 tous. Et là, on doit respecter chacun et aimer chacun comme il est. La hafta l'irin hakamocha, la hafta l'irin hakamocha, c'est klal gadol bator, il est venu Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est kashur ou sfirat ha'omer? C'est Rabbi Akiva, sfirat ha'omer. Rabbi Shimon bar Yochai, il a eu là, c'est Rabbi Akiva. Il y en a qui disent que la kvar omer, c'est le jour où Rabbi Shimon bar Yochai, il a reçu sa sfirat de Rabbi Akiva. Pas la petite radar, monsieur. Rabbi Akiva.
Pas envie de revoir. Aimer, aimer, aimer son prochain. Ne pas parler de la Shonara. La ventre à mot. La Shonara, c'est un ventre à mot. Enfin, ça ne suffit pas de ne pas parler de la Shonara. C'est déjà très bien si on y arrive. Mais on n'y arrivera pas si on n'aime pas son prochain. Si on n'a pas mis dans notre cœur l'amour de chaque juif. Regardez chaque juif avec des yeux de Rahmanout, des yeux d'amour. Comme les tzadikim, comme les Golim. Combien ils aiment Am Israël, Ahavat Israël. Combien ils aiment Am Israël. Chers amis, à qui nous.